Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, soyez les bienvenus à l'ouverture du Buffet des idées, merci beaucoup d'être là. On est très heureux de vous retrouver pour ouvrir les réflexions de notre démarche congrès, les grands banquets. Alors, petite info technique avant de démarrer, nous sommes donc ce soir en mode webinaire. C'est-à-dire que on est nombreux, mais vous ne vous voyez pas forcément et on ne vous entend pas et c'est normal. Pour suivre au mieux ce webinaire, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à mettre votre affichage sur affichage intervenant. En haut à droite de votre écran, vous avez l'affichage et vous le mettez sur affichage intervenant. Voilà. J'espère que vous êtes bien installés. Nous avions prévu d'entamer cette réflexion à Pau en novembre dernier au Banquet des idées. Nous n'avons pas pu le faire et donc c'est pour ça que nous vous proposons de faire le travail que nous avions prévu sous d'autres formes. C'est ça le buffet des idées. Alors la forme change, mais pas l'ambition ni l'objectif hein, de cette première étape de la démarche congrès qui est de construire notre vision d'avenir de la démocratie, de la justice sociale et identifier le rôle que nous, réseau des centres sociaux, on entend y jouer. Voilà, donc le buffet des idées, nous allons vivre dans les prochains mois quatre cycles thématiques avec à chaque fois une ouverture comme celle que l'on va vivre ce soir, mais aussi d'autres rendez-vous, un partage de ressources, des ateliers et même un podcast tout au long des semaines avec une progression donc similaire sur chaque thématique. Je ne vais pas détailler là les sujets, les thématiques. Vous les retrouvez dans tous les documents disponibles sur le site du congrès. C'est congrès.centre-sociaux.fr qui a été mis à jour et où vous trouverez dans la partie buffet des idées l'ensemble des ressources accessibles au fur et à mesure de l'avancée du buffet. Les vidéos, les écrits, les dessins seront mis en ligne. Seront mis en ligne de manière à être accessibles au plus grand nombre et diffusables, comme vous le souhaitez, dans vos structures, dans vos fédés, sur vos territoires. Voilà, donc on va démarrer le premier cycle de ce buffet par ce webinaire qui porte sur la démocratie dans tous ses états, sur la vie démocratique aujourd'hui et plus particulièrement le rôle de l'éducation populaire. Nous allons l'animer à deux voix avec mon collègue Jérémy Louis. Et donc, on va avoir deux étapes hein, ce soir. Ça durera 1 heure et demie en tout. Dans un premier temps, pendant 45 minutes, on va donner la parole à nos intervenants. Et puis, dans un deuxième temps, on aura une séquence plus interactive avec vous pendant une vingtaine, 20-25 minutes. D'abord, à partir d'un petit sondage, quelques questions que je vous enverrai, mais aussi à partir de vos questions et vos réactions que vous pouvez nous envoyer. Pour envoyer vos questions et réactions, vous avez deux possibilités. La première, c'est d'utiliser le petit bouton qui s'appelle Q et R en bas de Zoom, en bas à gauche, où là, vous pouvez du coup taper vos questions, mais vous pouvez aussi les envoyer sur la page Facebook de l'événement, puisqu'elle est animée par ma collègue Sarah, qui va nous transmettre donc l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas à préciser dans vos questions si elles s'adressent plutôt à tel ou tel intervenant ou si c'est une question plus générale. Voilà. Et vous pouvez aussi préciser votre nom et votre département de manière à ce qu'on sache qui vous êtes, mais ce n'est pas obligatoire non plus. Voilà, et bien je vous souhaite à tous un très bon webinaire et je passe la parole à Jérémy pour ouvrir les échanges avec nos intervenants. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, le sujet sur lequel on va échanger, c'est la démocratie dans tous ses états. Et pour cela, je suis très heureux d'accueillir nos trois invités pour ce webinaire. Avant d'arriver aux questions, je vais faire un petit tour de présentation des trois invités. Alors, Adeline Delépinay, pour commencer, vous êtes formatrice, autrice et artisane de processus collectifs d'éducation populaire. Vous êtes notamment intéressé au processus de community organizing que vous avez appliqué en France, en Seine-Saint-Denis, et observé aux États-Unis. Vous les mobilisez pour accompagner des professionnels de l'animation et des collectifs en France. Vous animez le blog
education-populaire.fr que je conseille à tout le monde. Et vous avez écrit ce petit ouvrage que l'on voit peut-être ici, peut-être pas très bien, je ne sais pas. Hop. Organisons-nous, manuel critique aux éditions Hors d'atteinte en 2019. Bonsoir Adeline et merci d'être venue. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Deuxième invité, Loïc Blondiot. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste des questions de démocratie et de participation des citoyens. Vous êtes membre de la Commission nationale du débat public et du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat, lancée en octobre 2019. Parmi les nombreux ouvrages que vous avez consacrés à la question de la démocratie et de la participation, j'ai décidé de sélectionner le Nouvel esprit de la démocratie, Actualité de la démocratie participative. C'est un ouvrage qui a quelques années maintenant, qui est sorti en 2008, mais qui nous semble être une très bonne introduction à vos réflexions et aux questions contemporaines sur la démocratie participative. Bonsoir Loïc et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Jérémy, merci de m'avoir invité. Nos deux intervenants seront accompagnés par Tariq Touaria, le président de la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France. Tariq, vous avez forcément contribué à l'élaboration de cette démarche congrès dans laquelle nous sommes aujourd'hui et notamment au choix des thématiques autour de la démocratie et de la justice sociale. Selon vous, ces mots sont importants car ils permettent d'affirmer le projet politique des centres sociaux. La discussion de ce soir nous permettra d'en savoir plus sur le rôle que jouent ou que peuvent jouer demain les centres sociaux en matière de démocratie et de lutte contre les injustices. Merci d'être avec nous et bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, vous êtes tous les trois engagés d'une manière ou d'une autre sur la question du combat démocratique, à partir de vos recherches, de votre expérience ou de votre militantisme. La démocratie, on est tous d'accord sur le fait que c'est une bonne chose. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change, plus de démocratie? Je voudrais d'abord me tourner vers Loïc Blondiot pour cette première question. Pourquoi, selon vous, Loïc, il est important, nécessaire de renforcer la démocratie? De quelle manière plus de démocratie, ça permettrait de transformer la société dans un meilleur sens, par exemple de réduire les inégalités ou les injustices? Et pourquoi plus particulièrement dans la période contemporaine? Je vous laisse 10 minutes, un quart d'heure pour répondre à cette question, ma foi, assez vaste. Et de mettre votre micro. Mon micro, oui. Voilà. Alors bonsoir à toutes et à tous. Oui, c'est une question qui mériterait qu'on lui consacre quand même beaucoup plus de temps qu'un quart d'heure. Mais je vais essayer de condenser ma réflexion et d'essayer de vous faire une présentation des enjeux de la question démocratique aujourd'hui et effectivement des moyens dont on dispose pour essayer de promouvoir finalement l'idée de démocratie et de la réaliser en quelque sorte, alors qu'aujourd'hui, évidemment, elle laisse beaucoup à son état, laisse beaucoup à désirer. Alors d'abord, partir de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est d'abord un idéal, mais un idéal à plusieurs facettes, à plusieurs dimensions qui ne sont pas forcément ajustées les unes aux autres. Moi, je vois trois dimensions principales à l'idée de démocratie et à cet idéal. La première dimension, c'est la dimension d'autogouvernement. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, mais c'est l'idée essentielle de la souveraineté populaire. Et c'est un principe cardinal qui est l'égale possibilité pour chaque citoyen de participer à la décision, d'influencer la décision. C'est ça la boussole en démocratie, c'est ce qu'avaient tenté de réaliser les Athéniens et c'est de cet idéal que nous nous réclamons. Mais à cet idéal est venu s'ajouter un deuxième, qui est celui qui renvoie à l'idée d'état de droit. C'est un idéal de liberté, de reconnaissance finalement de la nécessité de protéger les droits, des droits collectifs, droit de manifestation, droit d'expression, mais aussi de droit individuel. Et c'est ce que nous a apporté, et c'est l'héritage que nous avons du libéralisme, qui n'a pas que des défauts. Le libéralisme politique, c'est vraiment cette idée de protection des droits et aussi de contre-pouvoir à une possible tyrannie, y compris même une tyrannie de la majorité. Et puis, il y a une troisième dimension, qui me paraît tout à fait essentielle et qu'on oublie souvent, qui est l'égalité concrète
autogouvernement, état de droit, égalité concrète. Il n'y a pas de démocratie sans forme de vie et d'actualisation de l'égalité dans les relations entre les individus. La démocratie, c'est aussi une expérience, c'est aussi une manière de vivre avec les autres et de vivre ensemble. Et on peut avoir une démocratie au plan institutionnel, mais qui est totalement en décalage et en déphasage avec une société dans laquelle les inégalités sont telles que les gens ne se considèrent pas comme des égaux. Et il y a là, pour le coup, dans ce cas, un déficit démocratique tout à fait évident. Alors, la démocratie idéale, c'est une réalité. C'est une réalité qui est très loin de cet idéal, évidemment. On a affaire à travers le monde et dans l'histoire à des approximations et celles que nous vivons, que nous pratiquons, que nous connaissons aujourd'hui, est très loin de l'idéal d'autogouvernement du peuple. En fait, ce régime politique qui est le nôtre a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par des gens dont je rappelle toujours qu'ils détestaient l'autogouvernement du peuple, qu'ils ne voulaient pas que le peuple participe directement au pouvoir et qui, finalement, lui a reconnu comme seule possibilité d'agir le fait de sélectionner des gouvernants pour parler à sa place. Et c'est ce qu'on appelle la démocratie représentative. Mais c'est une vision très minimale de la démocratie. Certes, nous avons reconnu un certain nombre de droits collectifs, individuels, donc nos démocraties sont libérales, elles sont représentatives libérales, mais elles sont très loin de l'ambition originelle. Et pour ne pas parler de nos formes de vie, y a-t-il véritablement de la démocratie ailleurs que dans les institutions, à l'école, dans les relations entre les individus, dans les hôpitaux, dans les prisons, etc. Est-ce que nous comportons réellement comme des égaux? Ça pose un vrai problème. Alors aujourd'hui, ce modèle, même incomplet, même défaillant, il est en voie d'effondrement. Alors là, je ne vais pas m'attarder, mais il faut quand même reconnaître aujourd'hui le risque dans lequel nous sommes de voir disparaître le peu de démocratie que nous avions réussi à mettre en place. Alors, les causes, on les connaît, hein, c'est une extrême défiance à l'égard des gouvernants, de la part des citoyens, qui n'est pas forcément une mauvaise chose, lorsqu'elle débouche sur un désir de participation et sur des alternatives. Mais là, lorsque les alternatives sont le fascisme ou l'autoritarisme, c'est un vrai problème. Deuxième problème, problème de défiance, de légitimité des gouvernants, problème d'inefficacité. C'est-à-dire que ces représentants qui prétendent gouverner au nom du peuple ne peuvent être légitimes que, un, s'ils représentent vraiment ce peuple, ce que plus personne ne pense aujourd'hui, et deux, lorsqu'ils sont efficaces. Or, ils se révèlent inefficaces à maintenir des conditions de vie acceptables aujourd'hui, que ce soit face aux crises environnementales, je terminerai là-dessus, que ce soit face à la pandémie, que ce soit face au bien-être de manière générale, il y a un vrai souci. Et en réponse à ce souci, on a un autre risque qui se profile, celui du durcissement de ces autorités démocratiques. C'est-à-dire, ce qui se profile, c'est une forme de libéralisme autoritaire. Le concept est de plus en plus utilisé, mais on voit à travers la répression qui est mise en œuvre par ces gouvernements démocratiques, on voit bien comment la tentation est de faire taire des contestations qui sont de plus en plus fortes et qui vont très certainement continuer. Alors, les citoyens aujourd'hui, pour une partie de plus en plus importante d'entre eux, sont entrés en dissidence. Sont entrés en dissidence, mais dans des formes de dissidence très différentes. J'en vois trois comme dissidence. D'abord, l'indifférence, le retrait vis-à-vis de la politique, l'apathie politique. Hein, qui est une des formes aujourd'hui de nos existences contemporaines. À quoi sert-il finalement de participer, puisque de toute façon, les gouvernants ne gouvernent pas, ce sont d'autres qui gouvernent à leur place. Hein. Il y a des thèses complotistes qui rendent finalement totalement un
impensable le fait de prendre au sérieux le jeu politique, hein, si effectivement ce ne sont pas les gouvernants qui gouvernent, mais des forces occultes qui le font. Bon, il y a l'abstention et qui touche. Bon. Deuxième voie, c'est la voie autoritaire. La voie autoritaire, c'est-à-dire bah, on cherche une autre solution. Et on va chercher soit un homme providentiel, soit un parti. Et on voit bien aujourd'hui comment monte le vote protestataire. J'utilise rarement le terme de populisme, mais on voit très bien à quoi ça correspond. Puis la troisième voie, qui est très minoritaire, il ne faut pas se le cacher, qui peut produire des effets, c'est la voie participative. C'est-à-dire on a des citoyens qui entrent en dissidence, mais qui essayent de développer soit via les institutions, via le municipalisme, soit hors des institutions, voit à travers des phénomènes de coopération, d'autres formes de vie démocratique. Bon, voilà le paysage, il est complètement incomplet, alors que faire? Parce que je n'ai qu'un quart d'heure et les classes populaires, évidemment, sont touchées de plein fouet par les processus dont je parle. C'est eux qui votent le moins, hein. On sait que la participation des classes populaires est toujours un enjeu en démocratie et qu'il y a un invariant dans les démocraties représentatives, hormis les rares expériences révolutionnaires, plébéienne où ces catégories populaires sont appelées véritablement à participer au pouvoir, cet invariant, c'est qu'elles sont mises à distance et, par les gouvernants de ce même pouvoir. C'est ce que mon collègue politiste appelle le sens caché. Hein, il y a une forme de captation du pouvoir par les catégories les mieux intégrées, les plus riches. Et aujourd'hui, on assiste vraiment à l'oligarchisation de nos sociétés démocratiques. La divine surprise a été la contestation des Gilets jaunes, mais on voit bien comment cette contestation des Gilets jaunes ne trouve pas et ne cherche pas, quelque part, à trouver véritablement de débouchés politiques. On pourra y revenir. Mais c'est une forme de sursaut politique qui me paraît tout à fait inattendue, hein, soyons clairs, qui rappelle, à travers laquelle ces catégories populaires, ou en tout cas une partie d'entre elles, a rappelé à l'existence, à son existence, les autorités. Bon. Et alors, que faire? Je reprends la phrase de Lénine de 1902, il y a des bonnes et de mauvaises stratégies. Pour moi, il y a deux stratégies qui me paraissent insatisfaisantes. La première stratégie, c'est attendre de parvenir au pouvoir, c'est-à-dire penser que finalement une alternance politique, l'arrivée au pouvoir d'acteurs politiques qui ont une visée d'intérêt général, ont envie de transformer les choses et seraient eux-mêmes démocrates, pourra changer les choses. Cette voie, alors elle peut être révolutionnaire ou elle peut être pacifique, pour moi, elle n'est plus véritablement convaincante. Pour deux raisons. La première, c'est que la possibilité vraiment d'une alternance politique dans le cadre politique actuel, institutionnel, du financement politique, de concentration des médias, est devenue extrêmement compliquée, hein, et d'intégration. Donc, il ne faut pas s'attendre véritablement à un grand soir de la démocratie. Puis la deuxième question, c'est la question de la forme et la question des moyens et la question des fins ne peuvent plus être dissociées aujourd'hui. Il est très compliqué aujourd'hui de prendre le pouvoir de manière autoritaire ou à travers les élections en laissant croire qu'une fois arrivé au pouvoir, on va être démocrate. On peut pas, il y a un vrai problème de contradiction interne des mouvements qui suivent cette voie-là. La deuxième voie, qui est importante mais pas satisfaisante, c'est prendre le pouvoir par le bas. C'est ce que le sociologue Eric Olin-Wright appelle l'occupation des interstices. C'est tous les scénarios de municipalisme ou de fédéralisme, de différentes initiatives locales ce scénario-là, il est évidemment complètement intéressant d'un point de vue politique, mais sa plausibilité, c'est-à-dire que la plausibilité qu'on arrive par là à changer réellement le pouvoir, est très compliquée. Et puis, il y a deux scénarios qui me paraissent beaucoup plus, à mon avis, féconds. Le premier scénario, c'est un scénario qui porte sur les formes de mobilisation.
sur la structuration de la contestation qui permettrait, et de la participation des catégories populaires en particulier, qui leur permettrait de revenir dans le jeu politique, de retrouver des espaces de discussion et d'être pris en compte finalement par le pouvoir. Et évidemment, c'est le community organizing et l'éducation populaire, c'est tout ce que vous faites qui me paraît absolument essentiel, mais qui exige des intermédiaires. C'est-à-dire que la place des intermédiaires, elle est, et ça, vos adversaires l'ont compris, puisqu'ils diminuent vos financements, ils obligent finalement tous ces intermédiaires à entrer dans le jeu d'une concurrence entre eux ou dans le jeu d'une logique de projet ou de rentabilité qui rend très difficile la structuration de ces formes de mobilisation. Ça, c'est votre voix. Et puis, il y a ma voix, et je n'irai pas beaucoup plus loin, celle que je travaille dans mes différents engagements, c'est celui de l'innovation institutionnelle, parce que je pense qu'on peut quand même, via les institutions, essayer de transformer les choses en mettant en place des dispositifs qui permettent une forme d'inclusion des perspectives citoyennes, des perspectives des catégories populaires. Donc, c'est l'usage du tirage au sort, c'est la défense de processus constituants participatifs, c'est l'introduction, il y a tout un courant de pensée aujourd'hui dans la théorie politique internationale qui réfléchit à la mise en place d'institutions plébéiennes dans nos institutions démocratiques. Dernier point, ce sera ma conclusion, même si on est là dans la Fédération des centres sociaux, la question naturelle, la question environnementale me paraît surdéterminer tout le reste. C'est-à-dire que, en fait, toutes ces réflexions n'ont de sens que si nous arrivons, plus ou moins, à empêcher que le pire ne nous arrive, on est déjà quand même dans une situation très très compliquée, mais que le pire, ce sera le fait que nous ne puissions pas bénéficier des conditions naturelles de vie sur Terre qui nous permettent de ne pas nous entretuer. La définition minimale de la démocratie de mon collègue américain Przeworski, c'est empêcher les bains de sang. Empêcher les bains de sang, c'est la démocratie. En fait, avec l'érosion de la biodiversité et le changement climatique, il y a de fortes chances pour que la perspective de bains de sang entraîne des conséquences politiques majeures, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir de forces particulièrement autoritaires et de conflits. Et pour ça, il me semble, et c'est moi ma préoccupation principale, que la démocratie est aussi une solution. C'est-à-dire que pour prendre les mesures et les solutions radicales qui permettront d'éviter le pire, on ne pourra le faire qu'avec les citoyens, par la participation et la délibération. Donc, c'est un petit peu la perspective qu'essaye d'ouvrir la Convention citoyenne. Alors, on pourra discuter des résultats, mais au moins, on sait que c'est possible. Merci énormément, Loïc, pour avoir réussi ce travail de synthèse en 15-20 minutes. C'était très intéressant. Sache que nous avons prévu dans un de nos quatre cycles la thématique de l'écologie et qu'on aimerait notamment travailler avec Jean-Michel Fourniau sur cette question-là qui devait intervenir au banquet des idées qui était prévu en novembre et qui interviendra très certainement dans le cadre de cette thématique écologique. On a bien conscience qu'effectivement, ça détermine d'autres enjeux. Petit rappel, n'hésitez pas à participer à travers les questions et réponses. Donc, il y a un petit onglet en bas Q et R. Vous pouvez envoyer vos questions pour qu'on puisse les compiler. On a déjà quelques questions, mais n'hésitez pas à continuer dans cette voie. Alors, Loïc, tu as abordé la question de restructurer la contestation, la participation des catégories populaires et que ça nécessite des intermédiaires que peut être le community organizing ou l'éducation populaire. Donc voilà, on a parlé de démocratie comme projet, de pourquoi il est important de renforcer la démocratie, mais concrètement, ça passe par quoi? Moi, j'aimerais qu'on discute du rôle que peut jouer l'éducation populaire et le monde associatif à ce sujet-là. Ça veut dire quoi être un acteur de démocratie quand on est une structure d'éducation populaire? J'aimerais aborder cette question avec vous, Adeline de Lépinay. On dit souvent que les associations sont une école de la démocratie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Oui, en effet, les acteurs et actrices de l'éducation populaire se considèrent souvent comme des passeurs et des passeuses et comme, souvent on parle d'école de la démocratie. Je pense que pour avoir une action en tant qu'association, en tant qu'acteur et actrice de l'éducation populaire sur la démocratie, alors, je vais revenir sur cette idée d'école de la démocratie parce que
La démocratie, c'est une pratique. C'est une pratique qui est collective. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se pratique. Alors, en la pratiquant, sans doute qu'on l'apprend, mais à la différence, par exemple, du vélo, qu'on apprend aussi par la pratique, le vélo, un jour, on sait en faire et c'est bon. La démocratie, jamais. C'est-à-dire que c'est une recherche permanente, collective, dans nos façons de fonctionner. C'est jamais acquis. Et c'est tout sauf simple à mettre en œuvre. Du coup, cette idée d'école de la démocratie, elle me semble, elle peut être problématique parce qu'elle laisse à penser qu'on va apprendre aux autres à être de bons citoyens et de bonnes citoyennes. Mais nous, comment est-ce qu'on se positionne là-dedans? Est-ce qu'on est vraiment que des passeurs et des passeuses? Comment on fait ça? Je pense que le premier rôle pour les associations pour renforcer une société démocratique, c'est d'être elles-mêmes des démocraties. Ça revient un peu à la question de la cohérence entre les fins et les moyens dont parlait Loïc Blondu à l'instant. Et ça, c'est vraiment pas rien. Enfin, aujourd'hui, énormément d'associations sont quand même très peu démocratiques. Et donc, c'est vraiment pas rien de tâcher en interne déjà d'avoir de pratiquer et du coup de se former en ayant ces pratiques-là. Et donc, ce n'est pas qu'on va aller apprendre aux gens à être de bons citoyens, c'est qu'on va tâcher ensemble, collectivement, d'être des cadres collectifs où on va expérimenter ensemble des modes de fonctionnement qu'on va tâcher de rendre les plus démocratiques possibles. Et c'est tout sauf simple. Donc, on va se frotter à ça, on va se frotter à la démocratie. Et du coup, il ne s'agit pas de former les autres. L'éducation populaire, ce n'est pas former le peuple, ce n'est pas éduquer le peuple, c'est nous déformer ensemble. C'est mener un processus collectif de long terme, en pratique, qui va nous amener à comprendre en quoi on reproduit des mécanismes que pourtant on dit qu'on veut détruire, et donc à arriver à identifier ces normes-là, les réflexes qu'on a, et pour construire d'autres normes, une autre normalité, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, et ça ne se décrète pas. On ne va pas dire, à partir de maintenant, on va tous changer de fonctionnement, on va arrêter de faire en sorte que ça se passe toujours pareil et que les choses se reproduisent. Non, ça ne se décide pas, parce qu'en fait, malgré nous, on reproduit tout ça. Donc, ça va nécessiter vraiment de penser les choses dans le processus, de tâtonner et vraiment de faire ça par nous-mêmes. Donc, on a toutes et tous, on n'a pas été éduqués à la démocratie. On a été éduqués à obéir, on a été éduqués à dire bonjour à la dame, à ramasser le papier par terre éventuellement. Mais la démocratie, c'est autre chose. La démocratie, c'est contribuer, c'est développer, mettre en œuvre un esprit critique, c'est agir, c'est s'opposer, y compris. Et donc ça, si on n'est pas capable de le mettre en œuvre dans nos organisations, comment est-ce qu'on peut penser qu'on sera capable de le mettre en œuvre dans la société? Je pense qu'il faut vraiment mener les deux en même temps. Et d'autant plus qu'en tant que professionnel, en tant que bénévole, c'est nous qui avons le pouvoir dans les associations. Et quand même, c'est ceux qui sont les plus grands problèmes à la démocratie, c'est ceux qui ont le pouvoir et ceux qui l'exercent. Et donc, comment nous-mêmes, où on est dans cette situation-là, dans nos structures, comment, en tant que conseil d'administration, en tant que salarié, comment est-ce qu'on favorise la démocratie quand on a le pouvoir? Et se frotter à ça, et c'est là où vraiment se penser nous-mêmes comme des acteurs et des actrices de ces questions-là, et pas comme on va éduquer les gens à eux être de bons citoyens. Nous aussi, on a un vrai problème avec ça. Et ça, je pense que c'est un vrai enjeu dans les structures de comment est-ce qu'on va réussir à faire ça. Et du coup, ça veut dire que la démocratie, c'est pas tant que ça va transformer la société, que ça va réduire les inégalités, que ça va réduire les injustices. C'est surtout qu'il faut réduire les inégalités, il faut supprimer les injustices pour avoir une chance de fonctionner en démocratie. Donc, ça inverse un peu la cause et la conséquence, même si tout ça, ça se nourrit. Mais dans un contexte d'inégalité, fonctionner de façon démocratique, c'est quand même très compliqué. Alors, justement, tous les mécanismes aujourd'hui visent à essayer de réguler, mais en fait, la régulation, on est sans doute aussi dans la nécessité de lutter pour abolir les oppressions et abolir tous les mécanismes qui empêchent les fonctionnements démocratiques. Et donc, au travers de tout ce qu'on va faire, alors dans les centres sociaux, mais aussi ailleurs, c'est comment est-ce qu'on transforme notre culture. C'est-à-dire que la démocratie, c'est une pratique et en ce sens-là, c'est une culture. C'est-à-dire que ça s'intègre dans tout ce qu'on, dans nos façons de comprendre les choses, de comprendre les relations, dans notre façon d'agir. C'est ce qu'on appelle une culture de manière générale. Et c'est ça, les démarches d'éducation populaire, c'est faire évoluer la culture vers une culture démocratique. Et ça nécessite de nous libérer, nous, de tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a engrangé, qui fait qu'on reproduit la culture dominante. Et donc, c'est avant tout nous libérer dans nos têtes. Donc, c'est augmenter notre capacité de discernement, de travailler notre esprit critique, notre capacité à réfléchir collectivement, à construire nos opinions, à les confronter avec d'autres qui ne sont pas d'accord, à les défendre en argumentant. Donc, ça, c'est une première chose. Et c'est tout un processus parce qu'encore une fois, on n'a pas été forcément éduqués à ça. Donc, on a besoin de faire ça ensemble. La deuxième chose, c'est de nous libérer aussi dans nos corps, au-delà de nous libérer dans nos têtes, parce que savoir ne suffit pas.
il ne suffit pas de savoir qu'on a le droit de prendre la parole pour réussir à la prendre, pour demander à la prendre. Et donc, c'est vraiment deux choses différentes. S'autoriser à, ça va au-delà de juste comprendre ce qui se passe. Et c'est là où l'éducation populaire, souvent, on a tendance à réduire ça aux idées, et ce n'est pas vrai. C'est les idées et les actions. Donc, développer notre capacité à agir, ce qui va vraiment nous pousser à chercher à nous décoloniser. C'est-à-dire que tout ça, on l'a à l'intérieur de nous. On le reproduit et c'est toute la difficulté. Et pour ça, on a besoin du collectif. C'est-à-dire qu'il faut que chacun, chacune s'engage dans cette recherche individuellement, mais on ne pourra rien faire individuellement. On a besoin du collectif pour avancer dans ces transformations. Et surtout, on a besoin de transformer la société, puisqu'on ne pourra pas se libérer dans une société inchangée. Donc, ça veut dire que tout ça, c'est inséparable entre individuel, collectif et social. Donc, souhaiter la transformation sociale. Et donc, pour moi, ce n'est pas tant une question d'indifférence quand on peut penser constater un manque de mobilisation qu'une impuissance. Et la plupart des gens ont bien conscience qu'il y a un problème, mais par contre, ne voient pas ce qu'on pourrait y faire ou ne pensent que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le mal qu'on se donnerait pour essayer de faire changer les choses, vu ce qu'on en retire généralement, bah, autant faire autre chose. Donc voilà, on est vraiment dans une démarche, un processus, et par exemple dans les centres sociaux, que ce soit dans une activité sociolinguistique ou même dans un cours de yoga, on peut essayer de penser les choses de façon à créer des fonctionnements collectifs qui soient les plus émancipateurs possibles. Alors, on ne va pas forcément très loin selon le type d'activité, mais au-delà, quand on passe sur la question du fonctionnement du conseil d'administration, quand on passe sur la question de la gestion de l'équipe salariée, quand on passe sur la question de la place réelle des personnes dans les réflexions et dans les décisions, là, on commence à se poser des questions de fonctionnement démocratique à l'interne. Donc, l'objet, c'est vraiment de transformer la culture collective, notre culture collective, transformer les normes, transformer ce qui est normal. Et il n'y a que comme ça, en changeant la normalité, qu'on va devenir complètement intolérant au fonctionnement autoritaire. Et ça, je pense qu'en fait, là, c'est, encore une fois, je parle de culture, la norme et l'intolérance à l'intolérable, c'est inscrit dans notre culture, et on a besoin de se déculturer de des fonctionnements qui nous poussent à l'obéissance pour s'acculturer à des fonctionnements qui nous poussent à ne pas supporter les fonctionnements autoritaires. D'autant plus dans la période actuelle où, au contraire, actuellement, on est de plus en plus habitué à supporter des choses qu'on ne supportait pas il y a quelques temps. Et justement, les taquets passent dans le sens inverse. Et nous, un combat principal, je pense, à avoir, c'est de faire passer les taquets dans le sens inverse, et c'est-à-dire de ne surtout pas s'habituer à ça, et au contraire, de cultiver notre intolérance au fonctionnement autoritaire. Et ça, c'est dans nos pratiques qu'on le cultive. C'est pas dans les textes. Donc, voilà. Être citoyen, être citoyenne, ce n'est pas réservé aux habitants, aux habitantes des quartiers, aux gens qui viennent dans les centres sociaux. Les centres sociaux, c'est des personnes morales. Les associations sont des personnes morales. C'est quelque chose d'assez spécifique en France. Les associations sont des personnes morales. Et à ce titre-là, elles peuvent agir dans la société, voire elles doivent agir dans la société. Et c'est-à-dire que ce n'est pas seulement accompagner les autres et encourager les personnes à s'engager, à prendre leur place, etc. Certes, il faut peut-être le faire, mais comment les pousser à le faire si nous, on ne le fait pas ? Je pense que une des premières questions, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que ce que nous sommes, en tant que notre position sociale, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir en direction d'une démocratie réelle ? En tant qu'association, en tant que bénévole, en tant que salarié, en tant qu'habitant, habitante du quartier, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, par exemple, bah, pour parler, puisqu'on est là vous préparez le projet de la Fédération des centres sociaux. La Fédération des centres sociaux, elle est tout sauf neutre. Elle a un projet associatif qui est tout sauf neutre, qui relève en fait d'un projet de société. Or, ce projet de société, il n'a pas complètement le vent en poupe aujourd'hui dans la société. Donc, en fait, défendre ce projet social et ce projet de société, c'est une mission, je pense, de la Fédération des centres sociaux, comme de pas mal d'autres associations, de se faire entendre et d'avoir une stratégie, probablement en direction de l'opinion publique au moins, pour défendre ces positions-là et donc, en fait, peser dans la démocratie pour dénoncer les projets de société non démocratiques et qui est inégalitaire, etc. Et donc là, on en vient aux questions de la stratégie, de comment on agit démocratiquement dans une société
pas parfaitement démocratique. Tout à l'heure, Loïc Blondiau parlait de scénario. Je pense pas tant en termes de scénario, parce que je pense que qu'il n'y en a pas en fait qui marche, il n'y a pas un scénario, mais du coup, il y a différentes stratégies qu'il s'agit de combiner en fonction de qui on est, où on est, quelle est notre place sociale, quel est notre rôle, ce qu'on peut s'autoriser en termes de risque, etc. Il y a des stratégies culturelles, donc je viens d'en parler, c'est la stratégie de l'opinion publique, et ça, très clairement, les associations, je pense, doivent le faire, c'est-à-dire avoir une parole publique, s'exprimer, chercher à défendre leur position dans l'espace public, argumenter, tâcher de convaincre largement, mais ça veut dire se donner les moyens de ça, ça veut dire savoir bien définir son message, à qui on veut le faire passer, comment on va le faire passer, c'est une vraie stratégie. Il y a une deuxième stratégie culturelle qui est celle des démarches d'éducation populaire, et donc là, c'est faire un travail, j'en parlais tout à l'heure, faire un travail ensemble d'émancipation, c'est-à-dire essayer de transformer notre culture collective, lutter contre les normes qu'on reproduit, et donc essayer de transformer tout ça et transformer nos réflexes, avoir une exigence collective permanente sur nos pratiques. Donc ça, c'est deux stratégies culturelles, et puis à côté, il y a plein de stratégies matérielles qu'on peut avoir, c'est-à-dire concrètement comment on peut agir. Pour commencer par peut-être celle qui est la plus proche des centres sociaux, sans doute, c'est dans l'institution, c'est-à-dire les associations sont quand même des institutions, et donc c'est comment, dans le système tel qu'il existe, on peut exploiter des brèches, on peut faire des choses, on peut gagner des marges de manœuvre. Sauf que gagner des marges de manœuvre, ça veut probablement dire à un moment s'opposer, se battre, lutter. Donc, qu'est-ce qu'on est prêt à comment est-ce qu'on s'organise pour être en capacité de lutter pour ces marges de manœuvre? Ça pose la question aussi, on veut être des alliés, mais jusqu'où on va? Est-ce qu'on est jusqu'à être complice? Et du coup, quel risque on prend à titre individuel, à titre associatif, sans prendre des risques immodérés, parce qu'un militant qui ne peut plus militer ne sert plus à rien. Mais du coup, essayer de pousser autant que possible. En allant un peu plus loin, c'est pousser ceux qui ont le pouvoir à faire ce qu'on pense qu'ils devraient faire. Et donc là, ça nécessite d'abord de savoir ce qu'on veut qu'ils fassent. Donc, c'est tout un travail d'élaboration collective pour définir nos positions, un travail, voilà. Et après, pour faire connaître nos demandes et faire en sorte qu'elles soient entendues. Si elles ne sont pas entendues, ce qui est relativement banal, à ce moment-là, il va falloir probablement avoir une stratégie de pression. Et là, ça pose la question, quand on est un centre social éventuellement, probablement subventionné, comment est-ce qu'on rentre en pression sur des pouvoirs publics? Est-ce que c'est possible? Comment le faire? Mais il faut savoir qu'un État démocratique, normalement, a pour mission de garantir l'autonomie des associations, a pour mission de garantir l'autonomie des corps intermédiaires, puisqu'ils font partie de la démocratie. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plutôt dans la dissolution d'associations. Donc, on a un vrai problème. Mais du coup, ça pose cette question-là du rapport de force et de comment, quelles sont nos ressources, quels sont nos ressorts pour faire du rapport de force quand on a une association. Et il y en a plein. Voilà, après, on peut aussi, notre stratégie, c'est vraiment travailler l'utopie, travailler le rêve, le projet de société, et ça, c'est pas rien du tout. Ne pas s'en tenir à seulement des choses qu'on peut humblement demander au pouvoir public, c'est aussi, développer des rêves, des projets de société plus ambitieux que ça, et du coup, arrêter de demander poliment et d'attendre que ça arrive, et vraiment aller passer à l'action directe plutôt que de passer par la délégation, et ça peut inclure la désobéissance civile. La désobéissance civile, ça fait partie de la démocratie, la citoyenneté inclut la désobéissance. Je crois que même les militaires ont le devoir de désobéir quand un ordre est illégal. Enfin, du coup, ces ressorts-là de mobilisation sont des ressorts mobilisables par les associations aussi. Et puis, une autre stratégie qui est de vraiment aller repousser les limites de l'imaginable, monter des projets un petit peu en dehors de la société donc essayer de monter ces petites bulles d'émancipation sans oublier que ça ne suffira jamais et que du coup, probablement, il faut voir comment faire le lien entre ces bulles d'émancipation, ces petits paradis et la lutte pour élargir ces possibilités-là. Et par exemple, ça peut être... quand on monte un projet d'accompagnement d'enfants, c'est à la fois le faire et se donner les moyens de le faire et puis à la fois lutter pour qu'il y ait vraiment des moyens pour ça. C'est ne pas se contenter de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais toujours le lier à la lutte, même si on ne va pas attendre d'avoir des victoires pour agir, parce que sinon, agir par les différents axes. Voilà, j'espère que j'ai été dans les temps et que je n'ai pas parlé trop vite. C'est parfait, merci beaucoup Adeline. Je retiens dans ce que tu as dit que dans l'éducation populaire, on peut avoir tendance à réduire
la question de la démocratie à des choses de l'ordre du domaine des idées. Je trouve que Loïc et toi, vous avez bien montré que c'est une question de stratégie et d'action concrète qui passe par plein de biais, mais qu'effectivement, ça ne se réduit pas à des débats d'idées et à un domaine des idées qui soit celui de la discussion démocratique. Et c'est très intéressant de vous avoir entendu l'un après l'autre sur ces questions-là. Je me tourne maintenant vers Tariq. On a vu du coup la démocratie comme projet de société, des différentes stratégies qui peuvent exister par rapport à ça, des différents scénarios pour l'avenir. On a vu le rôle que peut jouer l'éducation populaire, le rôle qu'elle joue actuellement et le rôle qu'elle pourrait jouer, entre des formes d'émancipation collective, mais aussi de prendre position en tant que structure. On va maintenant continuer sur le sujet et on va évoquer les centres sociaux. Tariq, je me tourne donc vers vous pour discuter de ça. On sait que la démocratie est une des valeurs centrales des centres sociaux, ça a été rappelé dans la charte fédérale de 2000. Alors du coup, ce que je voudrais te demander, c'est pourquoi est-ce que le mot démocratie apparaît de nouveau dans la démarche congrès aujourd'hui ? Autrement dit, en quoi les centres sociaux sont déjà aujourd'hui des acteurs de la démocratie et comment est-ce qu'ils pourraient l'être plus encore demain ? Effectivement, enfin, tu as cité la charte des centres sociaux hein, qui date de 2000, dans lesquelles on a posé nos valeurs de dignité humaine, solidarité et démocratie. Et on y écrit, je vais me permettre de lire, opter pour la démocratie, c'est pour les centres sociaux et socioculturels, vouloir une société ouverte au débat et au partage du pouvoir. Les centres sociaux et socioculturels, elles, entendent établir et au besoin conquérir avec et pour les habitants d'un quartier, d'une ville, d'une agglomération ou d'un pays, des espaces de discussion et de participation à des prises de décision concernant la vie quotidienne et celle de la collectivité. Et après, il y a, dans le même paragraphe, il y a un certain nombre de choses autour de l'action collective et de tout ce que ça peut produire, et autour de la démocratie participative et de l'engagement pour la constitution d'une citoyenneté et d'une réelle démocratie. Donc, on l'a collectivement acté dans cette charte, dans une approche où la démocratie est un combat, est une démarche, est une pratique, comme le disait Adeline, et sur lequel effectivement il y a toujours et tout le temps des choses à conquérir. Hein, le mot conquérir était dans notre charte, et je pense que c'est important de se le rappeler collectivement. À partir de là, effectivement, il y a, et là je rejoins un peu les découpages d'Adeline et Loïc, enfin il y a bien à dissocier ou à relier au contraire les moyens et la fin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas se poser la question de la démocratie dans nos structures. Et là, je crois qu'on a effectivement tous des choses à travailler. On y travaille dans les centres, on y travaille dans les fédérations. Mais je crois que le chemin pour plus de démocratie, il passe nécessairement effectivement par là, par cette mise en cohérence avec nos valeurs affichées. Je prendrai peut-être deux exemples. On a récemment beaucoup parlé du réseau jeune, des réseaux jeunes, et notamment du réseau jeune national. La place des jeunes aujourd'hui dans nos structures et la place des jeunes dans la démocratie de nos structures, je pense qu'on a des progrès, on a des gros progrès à faire encore sur ce sujet-là. Oui, il y a de plus en plus de centres où il y a des jeunes dans les conseils d'administration, mais c'est parfois un peu formel. Mais les jeunes, c'est un exemple. Je crois que plus fondamentalement, effectivement, il y a la question
d'un combat pour l'égalité. C'est-à-dire que la démocratie, et c'est ce que disait Loïc, elle ne peut se construire que sur une forme d'égalité. Et nos centres sociaux, non, ce n'est pas des bulles coupées du monde dans lesquelles il y aurait une égalité parfaite. Toutes les inégalités, elles sont là. Et donc, elles nuisent au fonctionnement démocratique de nos structures. L'égalité homme-femme, les inégalités culturelles, les inégalités sociales, les inégalités d'âge, les inégalités de santé, enfin, j'en oublie plein. Toutes ces inégalités, si on ne les prend pas en compte dans nos façons de penser, nos modes de décision, nos modes de... et aussi nos façons de faire, nos façons d'agir et de toujours et tout le temps bien penser, le réfléchir, décider et agir ensemble qu'on promeut depuis quelque temps. Si on ne prend pas la question de l'égalité et de la démocratie au cœur de tout ça, on va vers un échec, en tout cas vers une insatisfaction de notre visée. Donc, ce lien entre le chemin et la visée, il nous apparaît absolument essentiel. Donc ça, c'est pour nos façons de faire. Après, sur ce qu'on fait et ce qu'on fait avec les habitants dans nos territoires ou à différents échelons, là aussi, je pense que on a à travailler des choses. On a vu avec les gilets jaunes dont parlait Loïc que c'était compliqué pour certaines de nos structures d'organiser des débats qui soient un peu vifs, un peu sensibles sur des questions sociales importantes. Quelques centres s'y sont collés, d'autres et ont réussi, d'autres s'y sont collés et ont moins bien réussi, d'autres n'ont pas osé le faire. Voilà, le débat c'est accepter le dissensus, c'est accepter le désaccord. Et c'est vrai que parfois, notre vision du centre comme bulle qui protège les habitants et qui construit quelque chose d'émancipé à l'intérieur peut nuire en tout cas il y a une tension là qui se joue parfois entre un besoin de cohésion et d'être ensemble et la gestion du dissensus. Et là-dessus, on a, je pense, des choses à travailler. Donc, cette question du débat, cette question du dissensus, cette question après aussi extrêmement sensible dont parlait Adeline, de la relation à nos financeurs. On a vu à travers le réseau jeune et ce qui s'est passé à Poitiers, la difficulté qu'on peut avoir à garder de l'autonomie quand les choses exprimées par des habitants, par des jeunes ou par un groupe quel qu'il soit déplaît à nos décideurs, alors que nous, on est là pour justement produire de l'expression collective. Mais quand cette expression collective déplaît, qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère? Donc, il y a toutes ces questions à travailler. Il y en a beaucoup d'autres, mais justement, enfin, ça va être l'objet de toute cette démarche démocratie et justice sociale, les centres sociaux acteurs de démocratie pour plus de justice sociale. C'est bien tout ça qu'on va travailler au cours du buffet des idées, puis après en mise en pratique dans le banquet, les banquets. Voilà, je ne veux pas m'étendre plus, et je pense qu'il faut plus qu'on puisse discuter. Merci beaucoup
Tariq, je retiens bien dans ce que tu as dit la question effectivement des formes de démocratie interne dans les centres sociaux et la question un peu générale sur laquelle on pourra peut-être revenir si on a un petit peu le temps sur la question du conflit, en fait, de la possibilité de créer, d'organiser, d'animer des débats qui peuvent être conflictuels et la possibilité d'être dans des relations, des rapports conflictuels à des moments avec des partenaires et la question de cette tension-là entre coopération et conflit. Et je pense qu'à ce niveau-là, Loïc, tu disais tout à l'heure qu'il y avait deux stratégies qui étaient restructurer la participation des catégories populaires d'un côté et la question de l'innovation institutionnelle de l'autre. Je pense qu'en fait, ces deux questions-là sont énormément liées au sein des centres sociaux et que les centres sociaux ont aussi beaucoup à se cultiver auprès des innovations qui peuvent exister en termes de démocratie pour repenser leur mode de faire. Donc voilà, je pense qu'on aura l'occasion de revenir un petit peu là-dessus. Je vais laisser la parole maintenant à Isabelle pour faire un petit temps de sondage auprès des nombreux participants qui nous suivent aujourd'hui. À toi, Isabelle. Oui, merci Jérémy. En effet, on est 225 participants. Vous êtes plusieurs à nous avoir demandé puisqu'apparemment le chiffre ne s'affiche pas chez vous. Donc voilà, c'est formidable. On est très heureux d'être nombreux. Et du coup, là, on passe à la deuxième étape de ce webinaire qui va être un moment plus interactif. Dans un premier temps, je vais vous proposer trois petites questions sondage, dont la première, c'est qui êtes-vous ? Je vais la lancer et vous aurez quelques secondes pour y répondre. Alors, donc, êtes-vous bénévole ou administrateur d'un centre social ? Êtes-vous bénévole ou administrateur d'une fédération ? Salarié d'un centre social ? Salarié d'une fédération ? Donc, voilà, vous votez très rapidement. Donc, il y a 214 votants pour l'instant. On a beaucoup de salariés, mais les bénévoles augmentent. Voilà, vous avez quasi tous voté. On y va. Alors, voilà qui nous sommes ce soir. Donc, on a 32 bénévoles et administrateurs de centres sociaux. Bénévole ou administrateur, administratrice d'une fédération, 30 participants. Vous êtes 68 salariés de centres sociaux et 46 salariés d'une fédération et 10 personnes qui ont un profil autre. Peut-être que dans la petite boîte discussion, peut-être que vous pouvez du coup nous dire quel est votre profil, d'où vous venez, qui vous êtes de manière… Voilà. En tout cas, bienvenue. Alors, je vais maintenant passer à la deuxième question du sondage. Où êtes-vous ? Et donc, on va vous poser la question à partir de vos index indicatifs téléphoniques. Voilà, où êtes-vous ? Votre numéro de téléphone fixe commence-t-il par 01, 02, 03, 04 ou 05 ou rien de tout cela ? Si vous êtes plus loin, peut-être. Voilà, vous avez quelques secondes. Ah, vous êtes encore plus rapide que sur le premier. Super. Voilà les résultats. On est donc très nombreux dans l'indicatif 02. C'est donc nord-est. Non, c'est le nord-ouest, si je ne me trompe pas. L'indicatif 03, 56 personnes, pardon, dans le nord-ouest. Ensuite, 44 personnes, indicatif 04, ça je sais où c'est le sud-est. Ensuite, nous avons, 35 personnes, indicatif 03. Ah, pardon, parce que j'ai des choses qui s'affichent. Voilà, 30, indicatif 03, excusez-moi, 35 personnes, 27 personnes, l'indicatif 05 et 24 personnes, l'indicatif 01, donc en région parisienne, et 3 personnes qui n'ont pas cet indicatif. Là aussi, vous pouvez peut-être nous dire du coup où vous vous situez. Et enfin, dernière question, merci. Alors, plus en lien avec le sujet du coup, pour vous, les centres sociaux acteurs de démocratie, vous vous dites ce n'est pas notre rôle, vous vous dites on est déjà à fond, vous vous dites on aimerait y aller plus. Là aussi,
toujours pareil, quelques secondes pour répondre. Vous êtes déjà la moitié à avoir répondu. Voilà. Je pense qu'on est presque tous dans le sondage. Et voilà le résultat qui est impressionnant, puisque l'immense majorité d'entre vous dit « on aimerait y aller plus ». Donc, ça fait bien écho à tout ce qu'on vient de se dire dans cette ouverture. 19 personnes disent « on est déjà à fond », donc c'est super. Et une personne dit « ce n'est pas notre rôle ». Donc là aussi, vous pouvez, dans l'onglet ou dans les questions, peut-être commenter pourquoi ce n'est pas votre rôle, ce n'est pas notre rôle selon vous. Voilà pour le petit temps sondage. Et donc maintenant, ce que je vous propose, Jérémy, avant de te redonner la parole, c'est de faire une petite synthèse en fait de vos questions-réactions. Alors, on en a reçu beaucoup, donc je ne pourrai malheureusement pas faire état de tous les témoignages ou toutes les questions. J'ai essayé de garder les questions qui se retrouvaient le plus souvent. Déjà, bon, il y a beaucoup de constats et d'inquiétudes dans ce que vous dites sur la démocratie aujourd'hui, et notamment accentuée par la crise sanitaire que nous vivons, l'impossibilité de se déplacer, les atteintes aux libertés. Il y a aussi des inquiétudes sur les montées des populismes de manière générale et de groupes ou de courants qui utilisent la démocratie pour... faire progresser des idées en fait antidémocratiques. Donc quand même pas mal d'inquiétudes sur le contexte actuel. Et puis toujours sur la démocratie en général, pas mal de réactions, et j'ai retenu plusieurs questions. La première chose, c'est il semble qu'aujourd'hui les mouvements de gauche progressistes qui portent un projet social de démocratie et d'égalité ne sont plus portée par les catégories sociales dites populaires. À votre avis, pourquoi ? Dans le même style de question, par rapport au mouvement des Gilets jaunes qu'on a vécu il y a maintenant deux ans, oui. Par rapport au mouvement des Gilets jaunes qu'on a vécu, on a dit que c'était un retour des classes populaires et de mobilisation démocratique, mais se pose la question des débouchés politiques, et donc comment franchir l'obstacle de l'absence de débouchés politiques quand il y a des mobilisations et des actions émanant des classes populaires. Voilà une troisième question qui est peut-être plutôt pour Loïc Blondiot. La Convention citoyenne pour le climat est-elle véritablement démocratique ? Voilà, sur la démocratie. Ensuite, on a des questions sur les corps intermédiaires, les associations, les mobilisations citoyennes. Actuellement, pas ou peu de contestations face à la gestion de la crise sanitaire. Quelle lecture en faites-vous ? Et puis, une autre question là-dessus qui est-ce que depuis quelques années, on n'assiste pas à la marginalisation des corps intermédiaires, que ce soit des syndicats, des mouvements ou des mobilisations citoyennes en général, et un abaissement de la capacité d'indignation du corps social. Qu'en pensez-vous ? Et puis, une question très liée, y a-t-il pas un affaiblissement aussi de l'éducation populaire ? Que reste-t-il du projet d'émancipation de l'éducation populaire aujourd'hui ? Voilà pour les questions plutôt sur les corps intermédiaires. Et enfin, sur les rôles des centres sociaux, là aussi beaucoup de réactions et de questions, avec des réactions qui soulignent qu'on a une culture dans nos structures, mais aussi des habitants qui connaissent les centres sociaux, des habitants sur les territoires, qu'on a une culture plutôt autour de la démocratie participative, et qu'on a du pouvoir ou de la puissance quand on l'organise, quand elle se discute et s'organise. Justement, il y a une question, c'est faut-il préférer avoir le pouvoir ou avoir de la puissance, qui est voilà, intéressante. Ensuite, sur les centres sociaux, il y a transformer nos pratiques, oui, accompagner les habitants, oui, mais engager un rapport de force, voilà, c'est compliqué parce qu'on est largement subventionné. Puis il y avait une autre marque qui disait que peuvent faire les centres sociaux, est-ce qu'ils n'ont pas moins de marge de manœuvre quand ils sont à gestion collectivité territoriale, par exemple. Voilà, et puis dernière question sur les centres sociaux. Excusez-moi, je l'ai
perdue, elle est partie. Oui, dernière question sur les centres sociaux et la logique d'appel à projet et la place de la gestion dans nos structures. Donc, quelle place cela laisse en réalité pour travailler la démocratie? Et ça, c'est une question sur nous-mêmes aussi. Voilà pour les questions, Jérémy. Merci. Et eh ben, du coup, on va essayer de reprendre un petit peu ça avec nos intervenants. Moi, je vous proposerais bien peut-être deux axes un peu de questionnement à partir de ce qu'on a reçu. Je pense qu'il y aurait peut-être un premier axe de questionnement qui serait autour de où sont les classes populaires ou alors où sont les classes populaires contemporaines. Donc, on dit, il y a une question qui a été posée autour de leur présence dans les mouvements de gauche progressistes, mais on pourrait aussi se poser la question de la présence des classes populaires dans les espaces de décision des centres sociaux, des fédérations et de certaines catégories de population. Et du coup, j'aimerais bien me tourner vers vous pour commencer sur ce constat-là autour de la difficulté à travailler avec les classes populaires, dont d'ailleurs l'absence de croisement général entre ce qui s'est passé au niveau des Gilets jaunes et d'autres espaces participatifs ou institutionnels a bien montré les difficultés. Je vois, Loïc, que tu hoches de la tête. Est-ce que tu peux peut-être entamer des premiers éléments de réponse et puis ensuite, on continue avec Aline et Tariq sur ça? Bon, si on ne traite que cette question-là, c'est une question qui est déjà énorme. La question, pourquoi les catégories populaires ont-elles perdu confiance finalement dans leurs représentants historiques qu'ont été les partis de gauche, les syndicats, pas les oublier, et les autres intermédiaires. Alors, il y a évidemment une pluralité de causes. La première cause, c'est qu'elles ont été trahies aussi. Hein, c'est-à-dire que, grosso modo, lorsque la gauche est arrivée au pouvoir, en tout cas, dans la période la plus récente, elle a tourné le dos et elle a oublié de défendre les catégories populaires. Et je pense que le décrochage avait déjà commencé il y a quelques années, mais le gouvernement Hollande, il faut appeler un chat, a définitivement désespéré ces mêmes catégories populaires. Deuxième élément, il y a quand même dans nos sociétés des rapports de force qui ont évolué très fortement au profit de ceux qui détiennent le capital par rapport à ceux qui travaillent, puisque ces catégories marxistes ont toujours de l'importance et ont toujours du poids, même si ce sont devenus des gros mots. Mais si on a disqualifié cette grille de lecture, c'est aussi dans l'intérêt d'un certain nombre d'acteurs. Mais elles ont repris du pouvoir pour plusieurs raisons. Du fait d'un certain nombre de changements technologiques, hein, la globalisation, le fait de pouvoir exercer comme ça une sorte de pression sur les catégories ouvrières, une forme en envisageant la possibilité de délocaliser les emplois a joué un rôle très très important, me semble-t-il. Les changements des rapports de travail ont été absolument décisifs. L'individualisation du rapport au travail, la remise en cause des lieux et des possibilités de se regrouper pour réfléchir collectivement. Et aussi la répression. Répression du syndicalisme, répression des mobilisations, etc., etc. Donc ça, c'est un deuxième problème. Et puis le troisième problème, moi, je n'ai pas du tout abordé dans mon exposé qui se situait vraiment en surplomb, hein, mais c'est quelque chose à laquelle j'adhère vraiment. Il y a une question de subjectivité. Il y a un problème aujourd'hui de façonnement des subjectivités de chacun d'entre nous, parce que je m'inclus là-dedans, par la société de consommation. Qui, d'un certain point de vue, nous a tellement appris que notre existence devait reposer à la fois sur le travail et sur la consommation, que nous avons oublié et ou que nous n'avons plus le temps, parce que l'aménagement aussi de nos vies font que nous n'avons plus le temps d'agir collectivement. Et puis, le dernier point, je suis d'accord aussi qu'il y a un sentiment d'impuissance. Dès lors que vous pensez que le pouvoir
est entre les mains d'acteurs sur lesquels vous n'avez plus de prise, en particulier les grands acteurs économiques, les grands acteurs macroéconomiques. Moi, ce qui me frappe dans la société française aujourd'hui, c'est à quel point cette prise de confiance, cette prise de conscience s'est installée. L'idée qu'aujourd'hui, le pouvoir politique n'est plus, ne serait plus, parce qu'il ne faut pas non plus tourner le bâton dans l'autre sens, ne serait plus qu'une sorte de façade de pouvoir qui sont soit occultes pour les complotistes, soit de pouvoirs qui sont économiques. Vous n'avez pas de prise sur eux, par définition. Vous n'avez aucune chance de gagner. Vous avez de moins en moins de chances de gagner. Et donc, du coup, est-ce que ça vaut la peine de se mobiliser? Et on a tellement, par l'échec d'un certain nombre de mobilisations sur les lois travail, par le déni du référendum sur le traité constitutionnel européen, on a tellement, expérimenté cet échec et cette impuissance qu'aujourd'hui les gens l'ont intériorisé. Donc vous voyez qu'on a des facteurs qui sont culturels, psychologiques, de type très très structurel à l'inverse, qui ont joué, et puis des facteurs politiques, c'est-à-dire que rien n'obligeait apparemment les gouvernements qui se sont réclamés de la gauche à rester aussi impuissants face aux logiques dominantes du capitalisme. Ils n'ont rien fait et on leur reproche de ne rien faire. Et effectivement, la tentation, c'est de se dire les seuls qu'on n'a pas essayé, c'est l'extrême droite. Alors, c'est un peu café du commerce que je dis, mais c'est les seuls qui prétendent finalement nous défendre, nous représenter. Hein, la gauche ne nous représente plus et peut-être qu'il y a un espoir. Merci Loïc. Adeline, je reviens vers toi. Je sais que la question des relations entre l'éducation populaire et les classes populaires est un enjeu historique important et que l'éducation populaire a été fortement portée par les classes moyennes dans les années 70-80 et qu'aujourd'hui, il y a aussi cette question-là qui se pose dans le milieu généralement de l'éducation populaire, qui est quelle relation on arrive à construire avec les profils contemporains que sont les profils contemporains des classes populaires. Est-ce que tu peux rebondir un peu là-dessus, des constats que tu peux avoir et aussi des choses que tu as pu voir de tentatives de sortir de ces limites et de ces freins. C'est vrai que l'éducation populaire, c'est quelque chose qui n'a pas de définition claire, etc. Il y a plusieurs traditions. Moi, je trouve que la tradition la plus intéressante, notamment d'un point de vue démocratique, c'est la tradition ouvrière et du coup, ce qui est toute l'auto-organisation syndicale qui crée la possibilité de comprendre notre situation en tant que travailleurs, travailleuses, en France, et du coup, de comprendre les situations dans lesquelles on s'intègre, et du coup, comment agir dessus pour la transformer. Et donc, on est vraiment à ce moment-là, dans cette perspective d'éducation populaire, dans un enjeu d'auto-organisation. Et tout à l'heure, Loïc Blondiot disait, la démocratie, c'est avant tout l'autogouvernement, l'auto-organisation. Et du coup, voilà, à la base, aujourd'hui, les classes populaires, on dit où elles sont, où elles se mobilisent. À la base, le syndicalisme, le syndicat, c'est nous. C'est pas le syndicat de service auquel on va demander un service en échange d'une cotisation. C'est un système de solidarité collective. Et du coup, on s'auto-organise et par là, on construit aussi notre émancipation en même temps que la transformation sociale. Et on voit bien le lien qu'il peut y avoir avec des centres sociaux potentiellement qui auraient cette ambition-là aussi. Les partis aujourd'hui, déjà, ils valident complètement le principe représentatif de la société française. Donc déjà, par définition, ils se veulent représentatifs et non pas auto-organisation. Donc ça n'a rien à voir au point de vue de comment on construit. Et puis en effet, les trahisons, les déceptions, et ça continue. Au contraire, je trouve que ce sera très rationnel de ne pas croire au changement par les partis et de ne pas attendre que ce soit un changement à la tête qui change tout. Enfin, voilà, même en 36, c'est les luttes dans la rue qui ont permis de gagner les congés payés, etc. Ça a été validé par le gouvernement qui se trouvait être un gouvernement allié, mais il n'y aurait pas eu les gens dans la rue, ce ne serait pas passé. Donc, on est vraiment sur cette question-là. La représentation est un mécanisme assez peu directement lié avec la notion d'éducation populaire et d'émancipation. Donc, or, on est dans ce système-là. Et aujourd'hui, ce qui se développe, c'est la participation. Et donc, moi, la participation, c'est une sorte de manœuvre pour la démocratie représentative, pour essayer de se sauver elle-même.
Et donc, c'est comment changer suffisamment un tout petit peu des choses pour que surtout rien ne change. Et en fait, ça rejoint tout à l'heure, on parlait de community organizing, donc Saul Alinsky qui a créé ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais qu'importe. Et lui, quand il a pensé ça pour sauver la démocratie, très clairement. C'était dans les années 30 et on est dans un contexte pas si différent. C'est-à-dire que dans les années 30, lui, il avait très peur du fascisme, comme beaucoup, mais il avait aussi très peur du communisme, qui était aussi une forme de communisme autoritaire. Et du coup, son combat, c'était de sauver la démocratie libérale. Et donc, pour ça, il fallait que les personnes qui étaient sur le point de faire sécession, parce que trop pauvres, trop opprimées, trop dans la galère, retrouvent une place dans la société. Mais fondamentalement, il n'était pas question de changer réellement la société. Il s'agissait juste qu'elles trouvent une petite place dans un petit coin, sur une petite chaise. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'intégration sociale par le conflit, c'est-à-dire qu'en leur donnant la possibilité de s'exprimer de façon conflictuelle dans la société, et ben comme ça, elles avaient l'impression d'être écoutées, éventuellement elles avaient 2-3 victoires, et puis du coup, on pouvait maintenir la situation telle qu'elle était, c'est-à-dire que ça n'explosait pas. Alors, il y a peut-être des améliorations, mais fondamentalement, ce n'est pas un projet de transformation sociale. Or, aujourd'hui, la situation dans laquelle on est avec cette ambition de participation, on est aussi dans un contexte, la spécificité aujourd'hui, c'est le contexte néolibéral, et du coup, à la fois, on nous vend une démocratie complètement apolitique, techniciste, où en fait le seul enjeu serait que les gens se forment à bien exprimer leurs avis, et une fois qu'ils sauront exprimer leurs avis, en fait on jette les avis et les intérêts dans une arène et puis on regarde lequel écrase l'autre, et puis ça c'est la démocratie. Sauf que non, on est dans une situation où les intérêts, c'est pas des simples divergences d'opinion. Aujourd'hui, ce qui se passe dans la société, c'est pas juste qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'il y a des intérêts fondamentalement contradictoires, et on parlait tout à l'heure de classe sociale. Il y a toute une classe, un groupe social qui a intérêt à ce que les autres n'aillent pas mieux. Donc voilà, et qui s'enrichit parce que les autres s'appauvrissent. C'est fondamentalement contradictoire. Donc à partir de là, il ne s'agit pas de débattre et de créer des conditions de débat. C'est-à-dire, on ne met pas des loups et des agneaux à la même table pour discuter du menu du dîner. Là, on est vraiment dans un contexte où il faut lutter contre les inégalités, contre cette oppression, cette exploitation, pour pouvoir espérer fonctionner réellement démocratiquement. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui sur aussi la récupération néolibérale de l'idée d'empowerment, de pouvoir d'agir, que vous connaissez bien dans les centres sociaux. C'est-à-dire qu'à la base, on veut lutter contre une politique d'assistanat, on veut lutter pour notre émancipation, et en fait, bam! Ils retournent ça, ils le font à l'envers, et on a Macron qui nous sort une politique d'émancipation pour les banlieues qui consiste à leur dire « Ah ben en fait, on ne va pas vous aider parce que ce ne serait pas bon pour votre dignité, il faut que vous en sortiez par vous-même, donc allez-y, je vous regarde. » C'est d'une violence extrême. Et en fait, on est dans cette instrumentalisation de la surresponsabilisation des victimes sur leur situation, sur la situation qu'ils subissent, et qui arrange bien l'autre camp. Et du coup, c'est là où vraiment lutter pour la démocratie aujourd'hui, c'est inséparable de lutter contre les inégalités. Et dans un contexte comme ça, on est nécessairement amené à faire ça et à refuser, à identifier où se retrouve le retournement néolibéral d'ambition qui était pourtant émancipatrice. Et ça, aujourd'hui, l'éducation populaire est beaucoup récupérée par le néolibéralisme, et c'est vraiment un... Si on ne lit pas l'exigence d'éducation populaire avec l'exigence d'égalité réelle et l'exigence de liberté qui ne soit pas une liberté individuelle, du coup, on risque de se faire avoir par cet état des lieux aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense que vraiment recréer du collectif, recréer des espaces d'auto-organisation, c'est recréer de la capacité collective. On a vraiment besoin de ça, et ce n'est pas aller mobiliser les autres, aller mobiliser les quartiers populaires, parce qu'il se passe plein de choses dans les quartiers populaires. C'est se voir comment nous, en tant que ce qu'on est et où on est, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut être heureux, comment on peut être utile, et vraiment, comme je disais tout à l'heure, se poser la question, nous, qu'est-ce qu'on peut faire, et pas seulement comment les autres, ils ne font pas ce qu'il faut. Merci Adeline. Tariq, du coup, on voit bien la défiance... On voit bien une défiance vis-à-vis des partis, le problème de la chute des taux aussi de syndicalisme, une défiance vis-à-vis des,
de ces groupes, des groupes collectifs dans lesquels se vive la vie démocratique. Moi, ce que je voudrais te poser, du coup, c'est est-ce que les centres sociaux ne peuvent pas être un lieu de recréation de collectifs, mais est-ce que les centres sociaux ne sont pas aussi des lieux où se jouent ces formes de défiance? Est-ce que ce n'est pas des lieux où il y a des fois l'expression d'une défiance, la sensation que c'est des espaces plutôt institutionnels? Et est-ce que c'est des choses que tu constates aussi, et comment est-ce qu'on peut aussi faire en sorte que les centres sociaux deviennent plus ou affirment le fait que c'est des espaces où peuvent se construire ces collectifs-là et réussir à réduire cette défiance-là? Alors, bon, déjà, je pense que sur la question du centre social comme lieu où peut se construire du collectif, on a beaucoup avancé hein, depuis le Congrès de Lyon et toute notre démarche autour du développement du pouvoir d'agir. On a encore des choses à travailler, des choses à approfondir, et c'est un peu d'une certaine manière l'objet de la démarche qu'on a autour de justice sociale et démocratie. Oui, le collectif, c'est comme la démocratie. Enfin, c'est, ça se pratique, et ça, pour le coup, c'est dans nos façons de faire. Enfin, la plupart du temps et le plus souvent, la lutte contre la défiance, elle doit être dans nos façons de faire. Aline parlait des ateliers sociolinguistiques où on pouvait mettre de la démocratie. Moi, je crois beaucoup à ce mix entre action et démocratie la démocratie à tous les étages, quoi, à tous les niveaux. Enfin, étage, ça sous-entendrait qu'il y ait des trucs l'un au-dessus de l'autre. Donc, je ne sais pas comment le dire, mais oui, on peut expérimenter de la démocratie dans un atelier sociolinguistique, dans un quartier très populaire avec beaucoup d'immigrés, et travailler des choses autour des logements et de l'inégalité du logement, ou tout un tas de choses, ou sur la santé en ce moment et l'inégalité à la santé, et mettre collectivement autour d'une table, ou enfin, en ce moment, les tables sont parfois éloignées, mais on peut ensemble réfléchir, discuter et agir et donner envie d'agir. C'est-à-dire que là où on est fort, c'est justement dans la création d'une dynamique d'action. Et cette dynamique d'action, si elle peut aller un peu plus loin que ce qu'on fait jusqu'à présent, si elle se tourne vers des formes plus collectives, on va contribuer à renforcer dans les classes populaires le sentiment que les choses sont possibles. Après, il y a un autre aspect dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, qui est le travail sur l'inégalité de politisation. C'est-à-dire que oui, quand on regarde les dernières élections, à savoir les élections municipales, quand on regarde les taux d'abstention sur les jeunes, les classes sociales les plus défavorisées, etc., enfin, on voit des différences énormes, une inégalité de politisation énorme. Alors, je ne dis pas que le chemin de politisation passe nécessairement par la participation aux élections, ce n'est pas mon propos, mais c'est un indicateur. Là-dessus, je pense que les centres sociaux ont aussi un rôle à jouer, et on pourra réfléchir dans le cadre de la démarche qu'on a. Je vais rester avec toi, Tariq, pour lancer la prochaine question. Je vais vous demander des réponses un tout petit peu plus courtes pour qu'on puisse ensuite conclure, parce qu'il nous reste déjà très peu de temps. J'aimerais bien aborder quand même avec vous la question de ce sentiment un peu qu'il y a un accord un peu sur ces enjeux-là, mais que les centres sociaux, structurellement, pour eux, c'est compliqué d'y aller. La question de l'autocensure par rapport aux relations aux financeurs, et on pourrait même parler aussi de la question de la gestion municipale, qui est quand même présente dans beaucoup de,
pour beaucoup de centres sociaux. Du coup, je vais rester avec toi et Tariq, et on va repartir ensuite avec Loïc et Adeline sur cette question-là. Mais est-ce qu'il existe des marges de manœuvre? Comment est-ce qu'on peut les construire pour sortir aussi du sentiment d'impuissance que peuvent ressentir les centres sociaux sur leur capacité à être ces espaces-là, et notamment à être ces espaces-là dans des formulations à des moments qui peuvent être conflictuels? Bah, je crois qu'oui, c'est un sujet compliqué. On ne va pas y répondre ni en quelques minutes, ni en plusieurs heures. Enfin, c'est un sujet qu'on doit travailler collectivement, nos centres sociaux. Moi, je pense qu'il y a des marges de manœuvre aujourd'hui. Alors oui, avec une certaine, il y a la question de la démocratie participative qui pourrait être un fauné, comme le dit Adeline, mais ça peut être aussi un moyen de commencer à constituer des choses plus démocratiques si on ne se fait pas trop d'illusions sur des instances qui peuvent effectivement être plus là pour décorer. Et là-dessus, on a plein d'élus qui se posent des questions, plein d'élus locaux qui se posent des questions, qui ont envie de faire. On a travaillé récemment sur un livret sur les réseaux jeunes locaux. On voit qu'il y a plein d'élus qui ont un problème avec la question de la jeunesse et comment faire que les jeunes soient plus acteurs de leur cité. Et voilà. Et donc là-dessus, un exemple de chemin sur lequel on peut travailler localement quelque chose de collectif et sans qu'il y ait nécessairement de tensions et de frottements, mais il y en a à d'autres endroits sur les mêmes sujets, il y aura des tensions et des frottements. Et donc il y a aussi la question, le chemin, il est peut-être sur une reconnaissance plus officielle, et c'est aussi le but de cette démarche congrès, c'est de donner à voir et de faire comprendre à tout le monde, à tous les niveaux, à tous les échelons, que oui, le centre social est un acteur de démocratie, et que donc non, c'est pas trahir quoi que ce soit, qu'ils défendent collectivement un certain nombre de choses avec les habitants de son territoire. Merci Tariq. Loïc, je rappelais tout à l'heure qu'effectivement, il y avait peut-être des relations à penser entre la démocratie comme mise en mouvement et revendication des classes populaires et la démocratie sur laquelle tu travailles beaucoup, qui est celle des modifications en termes d'institutionnels et de pratiques institutionnelles. Est-ce que c'est peut-être un fil à tirer pour penser cette question-là du rapport aux institutions et de la difficulté qu'ont les centres sociaux aujourd'hui à sortir de cette relation qui peut être considérée comme une relation de non-autonomie ou de dépendance, qui fait que c'est compliqué d'avoir des marges de manœuvre? Oui, alors très 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 clairement, moi, bon, dire en quelques mots, mais de manière très schématique pour conclure, moi je pense très sincèrement qu'il faut agir hors des institutions et dans les institutions, et que d'un certain point de vue, on ne peut absolument pas se priver d'un des deux espaces de transformation, et on renforce l'action au sein des institutions quand il y a une pression à l'extérieur, et on peut se servir à l'extérieur d'alliés dans les institutions ou utiliser finalement les espaces qui sont concédés dans les institutions par les autorités pour essayer de subvertir un petit peu les choses. Et c'est le pari que je fais depuis très longtemps. Je voudrais répondre quand même à la question sur la Convention citoyenne qui renvoie aussi à des débats que j'ai entendus sur la démocratie participative comme miroir aux alouettes, jeu de dupes, etc. Bon, la question de savoir, je voudrais adresser cette question, si c'est démocratique, oui. Oui, si on définit la démocratie comme une expérience, les citoyens, mais ils ne sont que 150 qui ont participé, ont vécu une expérience d'émancipation, ça c'est absolument indéniable. Deuxième élément, on a démontré contre deux millénaires de mépris et de discrédit des citoyens ordinaires, que des citoyens ordinaires placés dans une dynamique de mobilisation, de délibération,
population et auxquelles on faisait confiance et qu'on prenait au sérieux étaient capables de produire des solutions à un problème d'intérêt général. Et puis, dernier point, moi, ce qui me paraît absolument impératif et produit par ces dispositifs, c'est qu'on intègre dans le processus de décision, puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a quand même un processus de décision, il y a des décisions qui sont prises à un moment qui dégrade la situation de quelques-uns au profit d'autres, et je reprends complètement ce vocabulaire. Si on veut éviter ça, il faudrait peut-être que dans le processus de décision, on intègre à minima la parole, les expériences de ces catégories populaires, parce que si on ne le fait pas, on n'a aucune chance pour que, et compte tenu aussi de l'abstention très forte de ces catégories, on n'a aucune chance que les élections suffisent à ce que ces catégories populaires soient prises en compte. Et donc, le tirage au sort me paraît être un élément important. Et puis, dernier point, je voudrais terminer, avant de donner la parole à Adeline, sur un truc. On a maintenant, le community organizing a été évoqué, moi, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais quand je lis ce que mes collègues comme Julien Talpin ont écrit là-dessus, on sait que ça fonctionne. On sait que ça fonctionne à certaines conditions, avec une très grosse ingénierie. Et effectivement, et ça fonctionne aussi sur des causes qui sont susceptibles d'être atteintes, c'est-à-dire des campagnes, on part de l'agenda des citoyens. Mais on sait par exemple aussi que les expériences d'ATD Quart-Monde, le croisement des savoirs, etc., ça fonctionne aussi. On sait qu'il y a des dispositifs qui fonctionnent, mais ça ne fonctionne, me semble-t-il, qu'à une échelle relativement locale. Et pour adresser la question centrale, qui est la question de la distribution du pouvoir à l'échelle nationale, qui surdétermine le reste, à ce moment-là, on ne peut pas dédaigner le travail des institutions et la recherche d'un rapport de force au sein des institutions. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on se limite à des expériences c'est très bien et c'est absolument essentiel, mais il faudra quand même qu'il y ait des changements au niveau des institutions pour que les choses changent. Merci Loïc. Du coup, Adeline, pour finir, j'aimerais revenir vers toi. J'imagine que dans tes expériences de formation ou d'échange avec différents collectifs, tu as dû entendre cette réflexion-là de dire on est d'accord avec toi, mais on n'a pas de marge de manœuvre, c'est compliqué pour agir, etc. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça et qu'est-ce que tu voudrais aussi donner comme mot aussi pour conclure un peu ce qu'on a pu se dire. Je pense que déjà en termes de stratégie, pour moi, il n'y a pas une stratégie gagnante et du coup, il ne s'agit pas de savoir qu'est-ce qu'on va faire, mais qu'est-ce qu'on peut faire selon les moments, selon les opportunités, selon les personnes qui sont là, selon les énergies qui sont là, selon ce qui s'ouvre. Et en tout cas, je trouve que c'est une question d'allocation d'énergie, la question de stratégie, dans quoi on met notre énergie, on ne peut pas la mettre partout. Et en tout cas, je pense qu'utiliser son énergie pour empêcher les autres d'agir, ce n'est jamais une bonne façon d'utiliser son énergie. Donc, tant mieux que des gens tentent. On peut déjà tenter plein de choses. Je pense qu'il faut y aller dans tous les sens. Après, je pense que pour les centres sociaux et pour comment être utile, je pense que c'est vraiment la nécessité de revendiquer la nécessité démocratique d'avoir des corps intermédiaires, d'avoir des gens organisés, d'avoir des espaces d'opposition et que l'opposition, c'est la démocratie, que la capacité à s'opposer. Et ce n'est pas seulement convaincre, parce que je pense que le problème n'est pas seulement que les personnes ne sont pas écoutées. Il y a vraiment une question de rapport de force qui fait que, malgré le fait de très bien savoir les problèmes que ça pose, les décisions sont prises quand même. Donc, ce n'est pas qu'une question de convaincre. Et la difficulté en tant qu'association subventionnée, c'est que les associations subventionnées sont dans une situation dominée vis-à-vis de l'État, donc sont des dominés qui vont essayer de lutter pour exister, pour leur émancipation, au même titre. Et donc, d'autant plus avec les évaluations des subventions, les appels d'offres, etc., qui tendent à faire des associations, des prestataires de services. Et je pense que vraiment, il faut l'enjeu, quand on est une association subventionnée, je pense que ce qu'il faut faire,
le risque qu'il faut prendre, c'est vraiment d'élever le débat, c'est-à-dire de refuser d'être pris pour des prestataires, de politiser les questions, de politiser le fait que s'opposer, c'est un enjeu démocratique. Et donc, il serait gravissime d'être réprimé pour ça. Alors, on sait que ça existe, mais je pense qu'il faut absolument tenir ce discours-là et l'avoir dans les projets, et pour être politique, politiser les questions, parce que d'autant plus avec les urgences qui sont de plus en plus là, enfin voilà, urgences sociales, écologiques, sanitaires en ce moment, enfin voilà, la nécessité de porter un projet de société, d'élever le débat, de le politiser, pour surtout ne pas se laisser coincer par les discours qui nous sont opposés et qui nous forcent à rentrer dans les cases, à obéir, etc. À nous faire, voilà. Être acteur de démocratie, c'est certainement pas défendre la paix sociale contre dans un ordre social injuste. Et donc, c'est vraiment, je pense vraiment ce truc-là, je le redis, mais d'élever le débat et de politiser les choses pour revendiquer cette nécessité d'avoir le droit et la capacité à s'opposer et à le faire. Et du coup, ce n'est pas demander l'autorisation de s'opposer, il faut y aller, quoi. Mais du coup, il faut s'organiser pour être solide derrière. Et ça, c'est le principe du syndicalisme, enfin, de toutes les luttes. Tout seul, on est fragile. Ensemble, on est beaucoup plus fort. Et donc, pour les associations, c'est pareil. Merci énormément, Adeline. Merci à vous trois pour avoir réagi au quart de tour aux questions qui ont été posées et avoir pu continuer les échanges après ce temps de questions. Je vais repasser la parole à Isabelle pour conclure ce temps, parce qu'il est déjà 19h, mais on a bien tenu le temps, on n'a pas trop débordé. Et du coup, je vais laisser la parole à Isabelle pour conclure. Oui, merci Jérémy. On a reçu beaucoup de questions, beaucoup de réactions, de commentaires au débat là, qu'on vient d'avoir qui est passionnant. Je voudrais juste en citer trois pour finir. Connaît-on la répartition des catégories de population parmi les adhérents des centres sociaux et particulièrement dans nos conseils d'administration? Deuxième question, est-ce que le pouvoir d'agir et la gouvernance partagée doivent obligatoirement marcher d'un même pas? Et la troisième question qui laisse augurer des débats que nous aurons au cours de ce buffet des idées, comment pourrions-nous nous organiser, agir concrètement au sein du réseau des centres sociaux pour aider un centre à résister sur son territoire? Voilà, elle était formulée comme ça. Voilà, donc on va garder trace de toute façon de toutes vos questions et commentaires. Il y aura une synthèse des échanges qui sera publiée dans les prochains jours. La prochaine étape du Buffet des idées, c'est jeudi prochain, le 28, pour le premier épisode du podcast qui s'appelle Des histoires d'eux. Ensuite, le 4 février, on aura une rencontre autofocus sur le rôle des centres sociaux dans la vie démocratique. Et le 11 février, pour le dernier rendez-vous du cycle 1, qui sera ce qu'on a appelé un créa-congrès, comment parler de démocratie en atelier cuisine, c'est-à-dire on expérimente, on invente des outils pour faire le lien entre la réflexion collective dans le cadre du buffet et la campagne des banquets citoyens qui commence aussi à se préparer dans le cadre de cette démarche congrès. Voilà, merci infiniment à nos intervenants. Merci à vous toutes et vous tous d'avoir été si nombreux et si réactifs. Et donc, on vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de cette démarche congrès et de ce buffet des idées. À bientôt.